C'est Mega dans 6D6, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4, il me semble, de Dead Cell. Donc, si je me souviens bien, dans le précédent épisode, voilà, on s'était laissé environ ici. Est-ce que je me souviens un peu des touches, pour là, des compagnies. Alors, du coup, je pense que ça va être un espèce de petit rituel. On va regarder le nombre de morts auxquels on a 7 morts. On a quoi comme monstre? Ok. Alors, l'inquisiteur est nouveau. Et ces trois merdes en dessous aussi. Et j'ai appris aussi comment bien contrer. Car dans la dernière vidéo, vous allez voir qu'en fait... Bah, vous allez le voir là aussi, surtout. Ah oui, c'est vrai. Je m'étais trompé... Enfin, je viens de tilter que je me suis complètement trompé de branche. Le bouclier est beaucoup, beaucoup plus utile que l'arc. Attends, je suis à peine parti. Il y en a déjà un autre qui a spawné. Du coup... Voilà. J'ai participé à un petit jeu qui a proposé un youtubeur très peut-être pas mais wow, allez hop, dès le début ça commence bien cet épisode. Attends, non, ok. Hop là. Excusez-moi, je suis concentré. Il n'y a pas moyen qu'il tombe. Oui. Ok, d'accord, ok. Donc, je commence à tilter comment les contrer. Oh non! J'adore parce que quand je dis ça, je me fais juste après. Donc, j'ai participé à un concours qu'un youtubeur a... Ouais, non, mais cet épisode, il commence trop bien. Ouh, en plus un boubou, non mais sans déconner, mes frères. Bon, est-ce que je vais arriver à dire ce que... Non, ok. Bon, j'espère que je vais réussir à le dire. J'ai participé à un... Ouais, je l'ai déjà dit, j'aime pas acheter. Un concours que un youtubeur que sans doute certains connaissent et que d'autres pas. Ce youtubeur, c'est Seros. Un youtubeur qui fait des... des vidéos du coup sur les let's play de jeux d'horreur, etc. Et en fait, il fait pas que du jeu d'horreur, il fait aussi des petits jeux découvertes. Je crois, si je me souviens bien de ce qu'il a dit, il fait des jeux d'horreur. Non, il fait des petites découvertes de jeux tous les mercredis matin. Donc là, il a découvert un. Enfin, il nous fait découvrir un petit jeu du nom de Hob, qui est un petit jeu un petit peu à la. Il l'a dit, hein, je fais que répéter. Un petit peu à la Zelda. C'est-à-dire que vous commencez avec un petit personnage, etc. Et puis petit à petit, vous l'améliorez. Et ce qui est bien fait dans ce jeu, c'est que... Pardon. On va prendre de la vie. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'en fait, tu peux prendre des augmentations. Mais tu peux très bien ne pas les prendre et pouvoir continuer le jeu. Ça va pas t'handicaper plus que ça. Je suis trop bon aujourd'hui. Une fois que j'ai compris leur pattern... leur pattern. Après, je les explose tout. Regardez ça, je suis en train de speedrun le truc. Oh, je suis un monstre. Today I'm a monster. Bon, par contre, j'espère que j'ai bien exploré tous les endroits. Ici, il n'y a rien. Du coup, le petit jeu, si vous voulez voir, hein, il s'appelle Hob. H-O-B. Quoi d'autre? Bah, j'espère tout simplement pouvoir le gagner et vous faire partager du gameplay aussi de mon côté. Donc bien sûr, en regardant la vidéo, c'est du coup c'est Ross qui a dit que en tapant ça, etc. Enfin, en tapant moi aussi je veux participer à voir le jeu, on pouvait l'avoir. Donc bah, vous n'avez qu'à tenter votre chance sur la chaîne de Seros, hein. S-E-R-O-T-H, je crois, si je dis pas la merde. Voilà. Donc vous avez pu voir aussi tout à l'heure que la porte à 1000 de thunes, là je l'ai ouvert parce que c'est bon, les malédictions ça m'avait cassé les couilles, hein. L'épisode dernier, j'en suis mort juste après, c'est tellement un bonheur de pouvoir faire ça. Voilà. Non mais touche pas, nickel. Boum, je suis un monstre aujourd'hui. Ah, les égouts toxiques, très mauvaise idée, parce que vous verrez dans le dernier épisode, j'ai affronté justement les trois monstres dernièrement.
Ils sont horribles. Franchement, ils sont horribles. Il y en a qui, quand ils meurent, ils lâchent, enfin, ils lâchent des explosions. D'autres, c'est comme les libellules, mais en plus gros, plus résistant, donc plus chiant. Et il y en a un, il t'attaque avec du poison. Et même l'eau est empoisonnée. 3000. J'achète jamais rien de toute manière. Voilà. Une seconde vie, ça peut être pratique. Donc ça, je peux rien faire avec. J'ai pas encore le truc. Du coup, je vais aller là pour pouvoir continuer ici vu que j'ai pas exploré. Oui, moi je préfère explorer tous les niveaux parce que j'ai à chaque fois peur de louper un petit truc ou un objet légendaire. Ce serait con quand même. Je sais pas s'il peut y avoir des objets légendaires. Je crois que si, non. Je sais pas, j'ai rien. Du coup, je peux pas passer par là. On grimpe. Roulade, roulade, roulade. Saute, saute, saute. Bon, j'ai fait tout ça. Ah, pour le pouvoir de congélation. Sais même pas si jamais être utile parce que j'adore mon boubou. Ah, je sais pas. Non. Franchement, non. Je vais pas le prendre parce que je préfère largement le pouvoir. Enfin, le boubou. T'as quelque chose? S'il te plaît. Non, t'as rien. Il est mort. Fais chier. Je préfère encore prendre la promenade des condamnés plutôt que les égouts toxiques parce que j'en ai chié pour les égouts toxiques. Et puis la promenade des condamnés, hein, maintenant je commence à la connaître. Salut toi. Bon bah on a investi dans l'arc, autant finir. Hein. Voilà. Arc de départ aléatoire. L'arc est tiré aléatoirement parmi vos arcs débloqués. J'ai débloqué quoi comme arc? C'est compté comme des arcs? Des épées jumelles. Ça c'est un arc. Ça n'en est pas. Ça s'en est pas. J'ai qu'un arc. Une blague. Ok. Je pense qu'après. Votre tuelle de sang petit. C'est trop fort, il va falloir que je le prenne ça. Pour l'instant, ce début de vidéo, ça marche très bien. Très très bien. Merci à ceux qui regardent mes vidéos, franchement. Merci infiniment. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager du contenu, etc., etc. que des gens regardent. Bon, il n'y a pas forcément de pouce bleu, moi c'est pas. Grandement ce qui m'intéresse. Ça, je commence à les maîtriser. T'es dans ta gueule. Ah. Ciné. Ciné, toi aussi. Voilà, ciné. Oh là là, je suis trop bon là. Enfin, j'ai failli dire, j'ai encore pris aucun point de dégâts, mais ce serait mentir. Boum. Je suis génial. Non, je suis pas en train de m'auto-sucer, j'en assure certains. Déjà. Ah, nickel, le truc, il est là. Comme ça, au moins. Ça part en vitesse. Ouh là 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 là. Dans ta gueule. Non. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah putain, j'ai mauvais timing. Mauvais timing. Ça, je me suis amélioré depuis. Ouais, dans ta gueule, toi. Eh, viens maman, viens, viens. Viens voir papa. Voilà, je me disais que je pouvais la toucher. La preuve, je l'ai touché. Ah, je peux continuer de descendre. Point. Bloqué, fait tomber les dents de vos ennemis. Une fois par ennemi, transforme aussi les flèches en or. C'est trop fort. Et je lance une grenade. Ça fait perdre les dents à mes ennemis. Ça a pas d'intérêt, mais ça peut être rigolo. Ça peut être très très rigolo. Ah, ok, en fait, si, c'est rigolo parce que les dents sont en or, du coup, ça compte comme de l'argent. Aïe, 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 ça y est, c'est le bordel.
Oh là là! Je crois que c'est la seule vidéo où il y aura réellement du skill de toute, sans doute, ma chaîne. D'ailleurs, vous, la plupart du temps, c'est les 3 ou 6 vues, donc peut-être que tout le monde... Ouais, pourtant, là, j'étais rapide, je trouve. Vous qui regardez mes vidéos, si vous êtes un grand manieur de logiciel, de montage, etc., je ne suis absolument, et je suis même pour que vous... Enfin, je dirais pas pour, mais si ça ne vous dérange pas et si vous voulez, je ne suis pas contre que vous me faisiez une petite, je sais pas, une bande-annonce. Enfin, non. Ah merde. Pas une bannière. Le truc au début de la chaîne, là, j'ai oublié. Enfin, non, pas au début de la chaîne, au début de la vidéo. Comme... Ah putain, c'est dur à parler et à travailler. Allez. Bon, la libellule, va te foutre, voilà. Attends, par contre, j'ai vu un cube rouge en tapant. C'est pas un truc. Ah bah si. Voilà. Ah, là aussi. Et donc, on a pas mal de secrets. Bon, 5000 de thunes, je pourrais éventuellement m'acheter un objet. Donc, je suis... On va prendre la vie, toujours. Hop. Donc, hop, c'est activé, ça. Ah, les vendeurs, je me pensais justement à toi. Non, le talisman, je m'en branle. Piège, je m'en branle. Fouet, je m'en branle. Congélation, je m'en branle. Voilà. Au revoir. Je vais même pas prendre l'ascenseur. YOLO. C'est pour présenter la vidéo, je crois. Non, je sais plus. C'est genre, tu sais, tu vois des animations et tout, et puis là tu vois Mégalodon 6 de 6. Genre, tu vois le truc. J'espère que t'as compris, hein. Peu de gens peuvent me comprendre. Dites-moi aussi dans les commentaires, hein, si je vous ai donné envie ou si je vous ai donné. Ouais, si je vous ai donné envie ou d'acheter ou de détester le jeu. Moi, perso, je suis content si je vous ai donné envie. Et si je vous ai pas donné envie, bah désolé. Mais bon, après, hein, chacun son goût, chacun ses couleurs et compagnie. Genre, elle me touche la libellule. Aïe. Ça commence à être chaud, là. Et chiant aussi. Ok, donc tac. Finé. Contré. Bouya. Quoi d'autre à dire? Que puis-je dire? Attends. Ok. J'aime pas les pièges. Ah, je vais balancer ma... Ah, une brochette. Il prend beaucoup de dégâts, là. Fini. On récupère l'or. Putain, je suis riche. Ça, je vais bloquer à temps. Voilà. Ça, c'est pas une porte que je peux toquer? Non, pas ça. Non, je peux pas. Je sais pas. Il y a certaines portes auxquelles je peux toquer et d'autres où je peux aller me faire foutre. Bon, ok, le jeu. Je sais même pas si je vais avoir le temps de faire deux morts dans ma vidéo là parce que je suis en train d'éclater le niveau. Je dis ça et je vais me faire laminer 10 secondes après. Ah putain, je déteste. Je peux pas passer, on active l'ascenseur. Boum, de la prison. Ah, on va revoir les nouveaux ennemis. Enfin, le nouvel ennemi, parce que pour l'instant, je crois qu'il y en a qu'un seul, c'est l'inquisiteur. Donc on améliore ça du coup. Boum. Ah, on remplit notre bonne gourde. Et il vient. Maintenant, on va vraiment au toit de la prison. Allez, 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 allez. Oui, on voit enfin le vrai soleil. Bon, c'est là où ça risque de se compliquer parce que je connais pas. Ah, c'est vrai que ces connards ils tirent à travers les murs. J'avais appris ces petits détails.
Je sais même pas si je peux. Je peux contrer là. Excusez-moi, je m'entraînais un petit peu au timing de leurs attaques. Je veux pas faire le mec pro ni autre, mais. Je vais où et comment? Ok, d'accord, j'ai vu. Putain, lui, il m'a jamais attaqué. Il se semblant, je vais t'attaquer. Non, je vais t'attaquer. Non. Oh, par contre, les archers, très mauvais souvenir. Ouh, ça, je prends ça. Boum. Ouais. Pas très vu. Crée un nuage de poisson autour de la victime. C'est nouveau, ça. C'est peut-être, je sais pas, une grenade améliorée. Aïe. Boum, je pense que là on va boire un petit coup parce qu'il fait soif. Voilà. Aïe. Le petit. C'est chiant, c'est très chiant, c'était très chiant. Aïe 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 aïe. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, merde. Aïe aïe aïe. Ça fait mal, ça fait très très mal. Allez. Oh putain, ok d'accord, j'ai compris. Voilà, c'est bon, le jeu va arrêter de me faire chier. Je lui ai tourné le dos du coup, même. Je vais le monter. Oh, oh, j'avais oublié. J'avais oublié. Oh, merci machin truc, je sais pas quoi. Merci le talisman de la vie. Il faut avoir à manger, je sais pas, quelque chose, une fiole. Non, je peux retourner en arrière. Vraie question, ça. Attendez. Excusez-moi, hein. J'ai envie de vérifier. Est-ce que je peux reprendre à boire? Aucune destination. Attendez, j'ai envie d'essayer. Est-ce que je peux revenir jusqu'à là, ce qu'on peut considérer de base, pour aller me soigner? Non, parce que là, c'est quand même assez critique, là. Et merde, j'ai fait tout ça pour rien. Ah, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Hop, hop, hop. Si je meurs en chemin, ça me ferait très, très chier. Ok, je pense que j'ai évité des dégâts de chute là. Donc ici on a déjà jeté un coup d'œil. C'était ici qu'on continuait. Boum. En fait, l'archer c'est un mauvais timing. Vu qu'en fait, l'archer il te prévient quand il tire. Et toi, c'est pas quand il tire que ça t'a que t'as envie de savoir, mais c'est quand ça va arriver dans ta gueule. Donc c'est un mauvais timing qu'il te donne pour marcher. Je sais pas, c'est peut-être fait exprès, hein. Voilà, uno. Genre, il se retourne à ce moment, lui. Boum, dans ta gueule. Ah, nickel, j'attaque les deux au mauvais moment, je suis trop fort. Je remercie encore une fois, hein, tous ceux qui me regardent. Merci beaucoup. Très important de remercier les abonnés. Oui. Pont noir. C'est rassurant, ma foi. Ouais, du coup, attends, je vais me téléporter en haut. Et je vais continuer l'aventure. Mais je pense que je vais revenir vers ce fameux pont noir. Oh, je fais encore plus mal. Ça, c'est une ruine, ça. Wouah, trop classe. Allez. Ok. Ok. Non, mais genre.
fait chier le jeu. Y a rien ici. Y a rien ici. Sauf un joli et très très grand drapeau. Non mais j'avais... Chier. Fait chier, fait chier. Miam miam. Miam miam. On dirait Arès avec la tête en feu et tout. Les couteaux de lancer. Bon allez hein. Allez allez allez. Ça peut être un... Ça peut avoir un certain style. Ah, il est pas mort. Voilà. J'ai vu qu'il y avait le secret juste de l'autre côté. Enfin, le secret. Si, c'est considéré. C'est ça, un secret, ça. Oh, le secret. 500. Oh. Putain, j'ai tellement choisi la mauvaise amélioration. En fait, j'aurais tellement dû prendre les boucliers. C'est plus efficace. Enfin, plus un... Pas plus efficace, mais plus... pratique. Hihi. Oh, putain, comment j'en ai chié pour avoir ces liganes, moi. Ah, me diras-tu les kunai, c'est pas si mal avec du sang et tout. Enfin, du saignement plutôt. Plus pratique. Aïe. Et il meurt pas. Boum. 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 Bonjour. C'est mort, je veux pas aux égouts toxiques avec ça. Je vais me faire dégommer l'anus. C'est quoi ça? Attends, j'ai loupé une rune? Non. Ah non, c'est la passerelle. Ouais, c'est la passerelle en fait. Ok. Ok, donc ça faut chatouiller la statue, je l'ai pas encore. Pour une bombe de gel, on va... Oh, quoi que me dira-tu? L'argent, comme je l'ai dit, je m'en branle. Boum. Alors. Adieu, voilà. Merci pour la brochette. Adieu. Boum. La force, parce que j'ai vraiment besoin de les niquer rapidos et de passer à autre chose. Des dagues. Ça faisait longtemps que j'avais pas changé d'arme. Ouah, c'est trop fort. Je laisse dans votre coin, je vous donne juste quelques petits cadeaux, c'est pour l'émeraude. Y'a pas un truc par là-bas? Non, y'a pas. Tac, 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 tac. Sans hésiter, je prends. Oui, je prends. Voilà, au revoir. Ensuite, ici, y'a quoi? Y'a rien. Sauf un ennemi que j'ai one shot. Putain, il faut trop mal les dagues. Attendez, faut que je regarde. Les dagues infligent un coup critique à la troisième attaque consécutive. Ouais, c'est ça, hein. Critique qui nique des culs, littéralement, hein, ça fait trop mal. On ramasse la grenade, et voilà. Boum. Boum, boum, boum. Ouais. Un bouclier. Casse-noisette. Non, mais je m'en fous, ça. T'es mort. Voilà. Je l'avais dit. Ah putain, connard. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Ouh, des dégâts encore. Mais bientôt, ça va être avec les deux premiers coups que je vais leur faire des coups critiques. Alors, je t'imagine le troisième, si c'est déjà des coups critiques avant. Comment il va être puissant le dernier. Tu vas craquer ! Non.
Non, ça marche pas. Je croyais que si tu faisais déjà les deux attaques dans le vide, du coup tu pouvais avoir la troisième. Il est mort depuis un moment. Je peux rien faire. Putain, la première fois il m'a donné plein de trucs. Il m'a donné de la thune et je sais plus quoi. Maintenant il donne. J'ai pas zappé un. Trop tard. Fais chier. Vous savez quoi ça? Recyclage. Vous transformez en or? Ouais, oui, j'ai déjà vu. Grenade magnétique, je m'en branle. Le bouclier augmente les dégâts. Ah ouais, ça peut être pas mal d'améliorer le boubou. Déjà qu'il est très très fort de base. Bon, moi je vais pas améliorer ma vie, je vais galérer ma race. Tac 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 tac. Allez, merci le jeu. Nickel, merci le jeu. Merci le jeu, connard de merde. Toi. Je suis un ninja de Konoha. Assoy. Ta gueule. Adieu. Si si, ça marche en fait. Si tu fais les deux coups dans le vide, tourelle horizontale, horizontale. Wow. Cette porte est... Oh putain, j'aurais tellement pu y aller en fait. Une minute, frère. Ok, on boit. C'est tôt. Oh, vous êtes des crevards. Voilà. Oh oui, nickel. Alors ça, deux pour le prix d'un. De la vie. Et de la vie. Nickel. Franchement, nickel. Ok, nickel. Je vais taper dans le vide. Je me suis arrêté. Et pour taper, nulle part. Ah, mais c'est nickel avec eux, du coup, parce que je peux rien faire. Je suis obligé de me prendre leur coup dans la gueule. Et il me fait tomber, en plus. C'est magnifique. J'ai pris la libellule, même si je l'avais touché avant. Génial. Tac, tac. Tac, tac. On chatouille. On passe. Putain, en fait, je loupais tellement de trucs avant d'avoir les chatouillis. Hop, hop, hop. Hop, hop. Attends, je peux louper un truc? Non. Non. Ouais, je découvre tous les gros coffres. Ouh, des cellules. Ouais, mais... Attends. Ça fait plus que l'autre. Inflige en explosant. Inflige. Bah oui, ça fait plus. C'est la bombe de gel niveau 3, frère. Niveau 3. 1, 2, 3, frère. Donc, tac. Tac, on passe. Tac, tac. Hop, 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 hop. Je suis sûr que je dois looter plein de trucs. Mais bon. Prends ta gueule, toi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Si tu veux. Ok, d'accord. Non, mais. Genre, tu vas arrêter de me pousser, hein. Jour ou non? Voilà, dans vos gueules. Toi, c'est pour ta gueule. Non, ta gueule, me fais pas chier. Ah, les bombes incendiaires. J'avais pas déjà? Ok, il va vraiment falloir que je me trouve un bouclier. Vraiment. S'il te plaît, merci. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Merci. Voilà. Putain, ma vie. Ma vie, ma vie.
Ma vie. Ma vie, s'il te plaît. Putain. Ils sont horribles. Quand t'as pas de bouclier, ils te défoncent. Rats. Connard. 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 4 HP. Je suis compté comme mort. Connard. Je suis sûr il m'aurait touché. Merci la magie de du talisman. Merci. Voilà. Oui, oui, de la vie, de la vie. Oh, merci bro. Merci brochette bœuf. Genre la libellule a... Putain, la libellule elle a fait une pointe. Tout ça pour me toucher. Ok, d'accord. Ok, le jeu. Et casse-toi toi. Voilà, merci. Ensuite toi je redescends te faire ta fête. Cadeau, cadeau, cadeau. On esquive, on avance, on avance. Voilà. Hop, hop. Putain il va durer longtemps cet épisode. Ah je suis désolé une fois de plus pour ceux qui aiment pas les épisodes longs. Mais quand il y a du ski là-bas... T'as un bouclier, un bouclier. Non, j'ai pas assez. En plus, c'est bouclier, j'ai orgé, machin. Faut absolument que je pense à revenir. Faut que je revienne au marchand. Faut que je revienne au marchand. Boum. J'ai dit boum. Danse des couteaux. Putain que je les déteste. Ok, je dois sûrement avoir assez là. J'espère, parce que sinon je serais pas content. Boum. Soigne 36 PV. Non, je l'ai pas eu. Allez, dans ta gueule, connard. Nickel. Tekken. Ok, alors là, c'est bon, je dois avoir largement assez. On va aller s'acheter le bouclier parce que là c'est plus possible. Bonjour, c'est encore moi. Donne-moi ça, vite. Au revoir. Bizarrement, je me sens déjà plus en sécurité. Allez, on y va. Cette fois, on a le bon stuff. On a battu un boss d'élite. Ça devrait être bon. Normalement. Si tout se passe bien. Ah oui, si, encore une fois, je me fais ken. On utilise ça, tac. Oui. Hop là, toi de la prison. Donc on va lui filer nos 26 putains de cellules. 35. Ouh, 3 nouveaux, cool. Sauf que je vais investir dans des potions. Oh oui, 2 fioles. Maintenant, 2 boubous. Voilà. Donne-moi 2 fioles. 2 fioles. Ah oui. Merci. Allez. C'est 2 fioles ou c'est genre j'ai une fiole plus grosse? Je sais pas. Dans les deux cas c'est bien, ça me fait plus de soins.
Putain, va durer longtemps la vidéo, c'est pas bon. Putain, franchement, bravo à toi qui est resté jusqu'à là de la vidéo, parce qu'à mon avis là ça doit être déjà assez long. Bravo à toi mon pote. Si t'es resté jusqu'au bout, hein, dis-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. On va pas toucher. Oh merci. Ah ok d'accord, ça touche pas. C'est sérieux là, je vais mourir en faisant de la merde. Ok. Voilà. L'inquisiteur, il a plein de casser les coups. Et mon bout. Mon bout. Putain. Ok. Oh, de la santé. Pris bestial. Voilà, ça sert à rien de les chatouiller, il se passera rien. La porte. Putain. Genre, il va me falloir un item pour pouvoir ouvrir une porte. Ok, et toi en bas? Ah, toi en bas tu meurs. Ok, en plus on peut tourner. Sauf évidemment quand j'arrive. Dans ta gueule, perds tes chicots et meurs en silence, s'il te plaît. Attends, je peux descendre en bas en fait. Genre ici, là, je peux descendre. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire pour avoir un énorme coffre, oui! Ah bah les pièges, tiens. Ouf, la place de la grenade, on verra bien ce que ça donne. J'espère franchement que ça me sera utile. Franchement. Ouais. Niveau vie, je suis bon. Et merde, je viens de me tromper. Ah, en fait, non, niveau vie, je suis pas bon. Ok, ça va. Je suis coincé. Ah, fils de pute. Voilà, dans ta gueule, comme ça, t'es en train de me faire chier, peut-être. Quoi l'espèce d'huile qu'ils ont autour de 8 minutes? Ah oui, j'ai pris mon temps quand même. Je me demande comment ils arrivent à les ouvrir les portes, les mecs en speedrun. Surprise! Ah, c'est con, j'aurais dû chier, je suis trop con. Bon. Je suis à 6 de vie, 700 PV. Ah oui. Quand même. Voilà, comme ça, arrêtez de me faire chier. Bon, c'est cool, l'autre inquisiteur là-bas, il l'a pas, tiens. Ah, j'ai tombé en plein dessus. Ouh, un élite. Médaille. Ouais, bah franchement, l'inquisiteur en boss, hein, c'est pas foufou, hein.
prendra la bain juste après avoir tué tout le chaud. Allez, ça c'était ce qu'on appelle un boss, ça. Voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai touché de là-bas. Voilà, enfin, bref, la bande sang. À moi. Oui, enfin. Ça devrait être un peu mieux. Ah, la porte de Spino, elle est coincée. Ouais, bah, du coup, en gros, faut remonter. Est-ce que je récupère de la vie? J'ai pas fait attention. Bon, en tout cas, lui, je l'ai pas touché. Là, par contre, et j'en ai même pas profité. Ah, les compétences, c'est ce que j'utilise jamais. Je suis à 381. 381 toujours. Oh putain. Genre, il m'a trop vu là. Boum. 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 Voilà. Oh là là, j'ai tout foré là. C'était magnifique. Ou lamentable. Putain, merde, j'ai oublié qu'elle me suivait, cette salope. Putain, en fait, c'est vraiment une plaie, cette merde. Voilà. Oh, je suis pas bien, là. Oh, je sais, je vais faire ça. Je pense que l'épisode va être bon là parce que ça fait déjà un bon bout de temps que je joue, je pense. Miam miam. Ouh. 3000 d'or. Le fouet électrique. Youpi. Sauf que ce sera le bouclier. Donc je pense que c'est bon pour cet épisode, comme j'ai déjà dit. Donc on va finir en ayant découvert aucun nouveau monstre. Voilà, toujours les mêmes, inquisiteurs, etc. Moi, c'est le scorpion et le ver dégoûtant que j'ai découvert dans les égouts dégueux. Et très douloureux. Donc, on a 9 morts à chaque fois tués par des ennemis et 104 cellules perdues au total. Aïe, 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 ça pique les fesses. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. A plus, bon, bah comme d'hab, hein, vous connaissez le truc à faire, hein, pouce bleu, compagnie, compagnie, compagnie. A plus!